On va quand même laisser l'animation, quoi. La cinématique est quand même très belle, hein, celle de Ragolz. Et nous y voici, bonjour à tous, Pokémon Or, Ergol, le remake de la 2G. On va faire le challenge Pokémon Champion, génération 2, sur Pokémon Or Gold. Donc qu'est-ce que c'est Pokémon Challenge pour ceux, Pokémon Champion pour ceux qui ne le sauraient pas. Bonjour YouTube de la part de ces furonnés. Putain, j'aurais dû mettre le chat, j'y penserai pour le prochain épisode. Donc c'est un peu particulier, ça sera pas comme Pokémon Diamant. Ce sera monté de façon comme le premier Pokémon Champion, Verfeuille. Donc je vais juste vous rappeler les règles avant de débuter. Pokémon Champion, c'est le but, c'est de finir le jeu avec un seul type, comme un champion. Bon, ça ressemble à, vous allez me dire, ça ressemble à un champion, à un type monotype, un challenge monotype. Sauf que, petite particularité, pour ceux qui n'auraient jamais regardé, il faut battre un champion avec uniquement le même nom de Pokémon qu'il a. Donc par exemple, le premier champion c'est Albert. Albert utilise deux Pokémon et il faut finir le jeu avec deux Pokémon. Pareil pour le soin, on a droit au même soin que le champion. Concernant les morts, parce que ça reste quand même un challenge Muzlock. Si un Pokémon meurt, il est mort. Hein. Meurt et KO, il meurt. On a droit bien évidemment de changer la team. Contrairement aux autres challenges, parce que il faut savoir que les champions n'ont pas le même nombre de Pokémon. En fait, c'est pas exponentiel, on va dire. Genre, typiquement, meilleur exemple, Albert a deux Pokémon. Ensuite, tu as Hector qui en a trois. Et ensuite, Blanche en a deux. Donc, ça, on adaptera. Ensuite, concernant les starters ont été générés. Ils ont été randomisés. On tombera pas forcément sur Erisand, Germignon et Typhlosion, Caiminus. Ce sera généré. Donc non merci, je sais comment on joue à Pokémon. Dis-moi tout. Alors vu que sur le layout, vous avez vu que c'était Gold, bien évidemment, on va prendre le garçon. Comment je t'appelle? C'est le... Comment on appelle ça? La base, quoi. Le champion de Pokémon... Le dresseur de Pokémon Champion s'appelle Champ. T'appelles Champ? Non, je m'appelle Roger, mais j'ai un peu honte de mon prénom, donc je change. J'ai vu des moments de jeu. Bref. C'est parti! D'aller sur des suites pas légales. Aventure nerveuse, j'adore Pokémon. Sale pute! Ah oui! J'avais oublié! C'est vrai que j'ai mappé pour accélérer. Elle jouait à chat avec son mari. Ta gueule, maman! Bizarre. Ah, on s'ambiance direct là. On s'ambiance dans ces boîtes jaunes. Tiens, je t'attendais. Est-ce que tu sais ce que j'étudie? Les œufs. Opola. Exact. De nos jours, c'est normal de promener ces Pokémon dans des Pokéballs. Mais avant qu'elles ne soient inventées, les gens marchaient avec leurs Pokémon. J'ai envie de te dire logique pour l'instant. Oh, comme ton ami Célesta, bien sûr, l'avantage des Pokéballs, c'est que c'est beaucoup plus pratique. oui, si je dois transporter mon Léviator qui mesure 2 mètres de long, comment je fais? Je pense qu'il y a aussi de bons côtés à marcher avec son Pokémon. Peut-être un rapport avec leurs développements ou leur évolution. Et justement, je vais te donner un Pokémon pour que tu te promènes avec lui. J'aimerais savoir davantage sur les relations spéciales qui peuvent se nouer entre humains et Pokémon. Choisis ton Pokémon parmi ceux-là. Allez, c'est parti! C'est random, donc on sait pas sur qui on va tomber. Et si c'est un double type, on aura le luxe de choisir.
Or, de préférence, pas le type acier, c'était le but du challenge, du premier challenge, ni le type vol, c'était celui du type, de celui de diamant hyper, bah de diamant intense. D'ailleurs, qui crée la grande récine qui voit un truc dans l'ordinaire, je m'envoie un mail en disant que c'est pour de vrai. Je pense que c'est encore un œuf de Pokémon, mais là j'ai vraiment trop de travail. Hein. Tu pourrais y aller à ma place, tu peux faire mon taf à ma place, s'il te plaît. Allez, c'est parti! Sur qui va-t-on tomber? Chape en feu! Type feu combat! Ok. Tyrannosaurus! Ah ouais, donc c'est la peste, le choléra ou... Alors, on a le choix entre insectes, donc insectes vol, puisque Milotic est de type insecte vol, il me semble. Alors, sachant que si je prends le type insecte, ça va être très très dur, hein, le type insecte dans cette génération. Attends, Milotic, il est bien insecte vol, non? Ah non, il est insecte pur. Ah ouais, non, c'est insecte... C'est soit insecte, soit feu combat, soit roche ténèbres. En tous les cas, ce sera un challenge inédit. Il faut réfléchir. Tyrannosif, c'est excellent pour la première arène, la deuxième. La troisième, c'est bien aussi. La quatrième aussi. La cinquième, ça va être un peu plus complexe. Sauf, bah, dans tous les cas, ça va être complexe. Sauf si je trouve un... Il faudrait trouver Corbox, si je choisis le type ténèbres. Et après, le type dragon, le type glace et le type... Il n'y aura que le type acier et le type combat qui seront durs. Après, contre Aldo, ça va être chiant. Pareil que Milotic qui sont énormes dans LPA. Oui, le baron. Milotic baron. Mais on va pas prendre Milotic, hein, dans tous les cas, ce sera pas critique. Chape en feu, il est faible à la première arène. La deuxième, ça va. La troisième, ça va. La quatrième, ça va être chiant. Sauf si je choisis le type feu. La cinquième, le type combat, ça va être chaud parce qu'il a un tartare. Type acier, ça va aller. Après, il faut dire que Tyrannosif a séisme. Ouais. Type glace, bon, c'est easy. Type dragon, ça va être un peu chaud. Sachant qu'on aurait Cygnabrase. C'est vrai qu'on va avoir Cygnabrase. Est-ce qu'on partirait pas sur un challenge de type feu ou de type combat? Moi, je suis chaud pour faire un chape en feu, mais le problème c'est que la première arène c'est chaud. Après on peut tomber sur un deuxième type feu. Mais attends, qui est le plus commun entre feu et combat? En vrai les types feu il n'y en a pas tant que ça. Hein. Et le problème des types feu c'est qu'il y a les Pokémon qui évoluent avec une pierre. Hein. Pierre feu si j'en trouve pas, bah, je vais me retrouver avec un Canino jusqu'à la fin du jeu ou un Goopix. Ah, c'est j'hésite, bah déjà ce sera pas critique. Mais j'ai envie de me promener avec un Tyrannosif en vrai. Type ténèbre en plus on est en 2G, donc la 2G c'est la génération qui a apporté le type ténèbre. Allez c'est parti, ce sera un challenge de type ténèbre. Do you want Tyrannosif? The Pokémon Rock type? Yes. Allez c'est parti. Ce sera un challenge de type ténèbres. Ça va être totalement débile d'avoir un Tyrannosif. De commencer avec un Tyrannosif. On va lui donner un surnom, bien évidemment. On va l'appeler Tyrannie, parce que vraiment, là, ça va être une pure tyrannie. Ce challenge avec un Tyrannosif. C'est la tyrannie. Ah merde, tyrannique. Le tyrannique. La tyrannique. Voilà. Utilisez le pionnon tyrannie. Oui. Ce sera type ténèbres. Ce sera dur à un moment. Donc on peut capturer uniquement des Pokémon de type ténèbres. Tu es comme ça jusqu'à la maison. Donc, si ton Pokémon ça fait mal, soigne-le. Ça va être complètement débile. Après les Pokémon sont en général aléatoirement aussi dans les hautes herbes. Allez c'est parti la tyrannie. En avant la tyrannie. Au pire, on l'appellera comme ça le prochain. Alors la tyrannie, comment ça se passe? La tyrannie refixe le visage de...
Je vois la tyrannie en face de moi là. Je me dis. En plus, je crois que c'est lui qui a remplacé Kaiminus, donc lui il va prendre Germignon. Champ, tu as reçu un tyrannosif. T'as reçu un tyrannosif. Pardon. 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 Quoi? Un tyrannosif? Eric Zemmour en nom. La team de... La team raciste. Les Pokémon de d'extrême droite, quoi. Bien sûr, c'est un super Pokémon. Ah, bah oui, tu m'étonnes, c'est l'un des meilleurs de la 2G. En... Si tu te promènes avec toi comme ça, il va t'aimer en... de plus en plus. Ah, tu dois le montrer à ta mère aussi. Oui, je vais montrer la tyrannie à ma mère, oui. Bon, bah on va te montrer, hein. Bonjour maman, je te présente la tyrannie. Oh Champ, quel joli Pokémon tu as avec toi. Il est mignon, hein. On va lui mettre un ruban autour du autour de la tête pour vraiment lui montrer à quel point la tyrannie est mignonne. Oh, ça a l'air compliqué, alors il te fait confiance. Quoi? Il me demande juste de marcher, c'est pas compliqué, hein. Oh putain, oh la barre de rire. Oui, je sais comment marche le Pokématos. Le pire, c'est qu'il est plus grand que moi, hein. Oh la tyrannie, on va prendre de quelques nouvelles de la tyrannie par moment. La tyrannie regarde fixement le ciel. Ah, en vrai, il faut fonder toute la maison sur sa... sur sa maison. Il aurait fondé toute la maison avec sa taille. J'avoue, il mesure 2 mètres, Tyrannosif. Mais j'ai même pas regardé les attaques qu'il a, hein. Au niveau 1, il a quoi? Ah, il a Croc-Éclair, Croc-Gif, Croc-Feu... Oh. Ah, c'est vénère. En plus, il a Tempête Sable. Ah oui, le problème, c'est qu'il a Tempête Sable. C'est qu'il va mettre le sable tout le temps, quoi. Ça veut rien être, putain de tir. Commencer le jeu avec Tyrannosif. Ça n'a pas de sens. Attends, je voulais, je suis allé sur la page wiki pour voir que... Il mesure 2 mètres, ouais, bon. Oui, il pète la maison quand il rentre, quoi. Allez, la tyrannie, c'est parti, le voyage commence. Ah là là, je me promène dans les hautes herbes, je me demande sur quoi je vais tomber. Ah. Fin de challenge, c'est finito. Allez, la tyrannie. En avant, la tyrannie. J'aurais dû l'appeler la tyrannie. Ah. Bon bah il a morsure, hein, c'est déjà ça. Allez la tyrannie. Ah, je pense que ça va être compliqué de le monter de niveau. Quelque chose me dit que ça va être compliqué. J'ai même pas regardé sa nature. C'est quoi la nature de la tyrannie? Ah, il est timide. C'est de la pure merde. La tyrannie est timide. Oh putain. Oh, la tyrannie est timide. Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que je n'ai pas le précisé, mais bien évidemment, il y a une règle concernant les CF Slab. J'ai le droit à un CF Slab, hein, bien évidemment. J'ai un Pokémon, littéralement, qui mesure 2 fois ma taille. Là, 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 là. Oh, Rhino Féroce! Oh! Ah, mais il est type sol! Oh, le con! Oh, le con! Mais c'est pas moi, je me suis fait avoir! Évidemment, Patrice! Il est pas type ténèbre! Si. Bah non, je peux pas le capturer! C'est type ténèbre le challenge, c'est pas roche! Ah, dommage, j'avais pas pensé à ça! C'est type ténèbre le challenge, capture-le, et après j'ai pas encore les Pokéballs aussi, remarque. Ah! Une nouvelle ville à pacifier, avec la tyrannie. Oh, toi tu débutes, non, ça se voit. Oh, c'est pas très grave, tout le monde est débutant un jour ou l'autre. Ne crains rien, je vais t'apprendre deux ou trois trucs. Ne crains rien. Ne crains rien, mon enfant, je ne suis pas comme certaines personnes sur Internet. Ah, j'ai pas vu, tu n'as pas de chaussures de sport.
Ah, j'ai essayé de marcher moins vite, alors essaie de me suivre. Écoutez, j'ai pas... C'est pas comme si j'avais un tir nocif de 200 kilos derrière moi. Ah, ça a un sang de Pokémon, Confilor, tes Pokémon blessés. Ils te soigneront en rien de temps. On aura grand besoin dans le futur, alors souviens-toi de leur existence. Ça, c'est une boutique de Pokémon, on y vend plein de choses utiles, notamment des des Pokéballs, ouais. Ouais, pour attraper les Pokémon. Et pas les bandits, parce que, ouais. Y'a pas de police dans ce monde. Ah, enfin, si. Mais, enfin, si, elle tabasse les gens la nuit, mais. Pose pas de questions. Pas là, c'est la route 30. Les dresseurs s'y affrontent avec leurs Pokémon favoris. Et un peu plus loin, y'a la maison de Monsieur Pokémon. Et là. Eh bah, c'est la mer. Alors tu vois, c'est la mer. Et pas ta mère, parce que... Certains Pokémon se trouvent uniquement dans l'eau. Bah ouais, bah... Ça te surprend, moi non. Et là, c'est chez moi. Ah, je t'inviterais bien à boire un coup, mais... Bof, quoi. J'ai pas envie que la police débarque. Ah, tu m'as sauvé partout pour la paix, je t'offre mes chaussures de sport qui puent. Ouais. Elles ont encore ma chaleur et mon odeur de transpiration. Ouais, let's go. Ah, je plaisante, tiens, Ukrainien, elles sont neuves. Je les ai volées pendant les émeutes. Sur le monde d'emploi, il est marqué, vous pouvez courir en appuyant l'icône de course sur l'écran tactile. Et aussi, c'est aussi possible en gardant le bouton B. Tiens, aussi, il va falloir... La tyrannie, va falloir s'imposer, là. Au bout d'un moment, faut dire les termes. Oh, putain. Il a sauté sur le rebord. Je tiens à rappeler que, tiens, Steve pèse. Eh ben, il pèse 445 livres, donc ça fait 200 kilos sur le comptoir. Ah, autant dire que c'est... Ouais, bah, y'a plus de comptoir, quoi. Putain, vétérinaire, la tyrannie, il faut fuir parce que... Oh, t'as pété le comptoir. Oh, j'ai pu te rattraper, j'avais oublié de te faire un... Tiens. C'est la carte. Je suis la carte, si tu dois trouver ton chemin, je peux t'aider. Écoute-moi bien, je suis la carte. Plus un geste, toi là-bas, mets les mains sur la tête et fais pas de gestes brusques. Eh non, je déconne, toi là, qui brave à passer devant la maison d'un brave vieillard si avenant sans t'arrêter, ne bouge plus. Continue tout droit vers le nord et tu arriveras chez Monsieur Pokémon. Et avant d'y aller, écoute ce que je t'ai à dire. Dis-moi, tu as déjà des noix grumes? Les noix grumes, c'est les fruits qui poussent dans les noix grumiers. Bah ouais, logique. Une fois par jour, ouais. Putain d'OGM. Je les cultive, ouais. Parce que moi, j'adore les OGM. C'est bon, les noix grumes. On peut en faire des Pokéballs et plein d'autres trucs. Bref, c'est très pratique, très utile même. Pour fêter nos rencontres, je vais t'offrir ceci. Ouais, cette boîte de noix grumes, tu pourrais garder plein de noix grumes sur toi. La cueillette n'aura bientôt plus de sucre pour toi. Tu seras un vrai agriculteur. Il ne m'a fait aucun dégât. Ah, bienvenue, tu dois chop. C'est moi qui ai envoyé les lettres. Bon, je vais prendre une voix normale. C'est moi qui ai envoyé cette lettre au professeur Orm. Voilà, c'est ce que je voudrais que le professeur Orm m'examine. C'est un œuf. Eh non, c'est pas un Kinder Surprise. Vous y avez cru, hein. Une de mes consciences de Corosalien m'a confié cet œuf. Qu'en dis-tu? Je te jure une chose pareille, je suis sûr que le professeur Holmes saura ce que c'est. Il étudie les évolutions de Pokémon mieux que personne n'y s'y connaît mieux que lui. Oh, du moins, c'est ce que dit le professeur Chen, c'est brité lui aussi. Tu retournes voir le professeur Holmes. Avant d'y aller, laisse ton Pokémon se reposer. J'avoue, j'ai pris un dégât. Mais par contre, je n'avais plus de morsure. Bien, je suis le professeur Chen, le chercheur en Pokémon. Tu t'appelles donc Chen. J'étais venu rendre visite à mon ami Monsieur Pokémon. Et voilà que le jeune Orm me dit qu'il venait d'envoyer quelqu'un. Je suis donc resté pour t'attendre. Oh oh, tu te promènes avec un Pokémon peu commun. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais, c'est un tir nocif, effectivement. Je vois que tu aides Orm dans ses recherches. Je crois que je vais pouvoir ta... Je vois pourquoi il t'a confié ce Pokémon. Il était sûr que tu prendrais le plus grand soin. Ah, justement, tu es vraiment digne de confiance, je vais te donner un mandat. En fait, regarde ça, c'est un nouveau modèle de Pokédex. Il enregistre automatiquement les Pokémon, hein, les données des Pokémon rencontrés et crée lui-même de nouvelles pages. Et j'ai envie de te confier. Par contre, un mixeur de Pokémon est complète ce Pokédex jusqu'au bout. Ah, je me suis attardé. Et je ne suis j'ai pas dit que j'étais attardé. Attention, ce n'est pas pareil. Je dois aller à Doublonville pour mon émission de radio. Et je suis sûr que pour nous retrouvons bientôt.
pour nous parer à toutes les entités, je vais te donner mon numéro de téléphone. Et s'il te plaît, ne m'appelle pas entre minuit et 6h du matin. Je te prie. Je suis un être humain. Bon, c'est bon. Bon, la tyrannie, t'en penses quoi de cette situation? La tyrannie a l'air de vouloir retourner au labo. Alors lui... Granipio, bah oui, faudra pas le rencontrer par contre, parce que Tangali c'est de type ténèbres. Et oui, je prends en compte les évolutions finales. Par contre, Granipio, il compte. Il faudra trouver une pierre plante. Quoique, Tifeuil est type plante ou ténèbres ou pas? Ah! Tifeuil est un Pokémon de type plante ténèbres, donc ça veut dire que je peux. Si je retombe sur Granipio, il faudra que je capture le capture. Donc on aura un Pokémon de type plante ténèbres, assez original. En plus de du type proche. Ici, on est un Tyranno aussi dans son équipe. Toi, t'as reçu un des Pokémon du laboratoire? Quel gâchis de donner à une mauviette comme toi. Quoi, tu comprends pas qu'on te parle? Tu me laisses pas le choix, moi aussi j'ai un bon Pokémon, je vais te montrer comment ça s'en sert. T'es sûr, mec? T'es vraiment sûr? Garçon passant. Du coup, oui, la Germignon. Ouais, bah moi j'ai Tyranno aussi, enfin, je me la pète pas, quoi. Il a pas duré. Alors, c'est la joie? Un peu. Tu veux savoir qui je suis? Eh ben, je suis l'homme qui devient le plus grand dresseur de Pokémon du monde. Il a réussi à me pousser avec mon Tyrannosif qui pèse 200 kg, hein, j'appelle. Rends-moi ça, je l'ai fait tomber, c'est ma carte de dresseur. T'as vu mon nom? Putain, il sait que je m'appelle Jean-Raoul, putain de merde! On est retour à la bourgeoisie Tyrannie. Alors qu'est-ce que t'en penses de cette vie? Tyrannie n'est pas encore habitué à son nom, on dirait. Il n'est pas encore habitué à la tyrannie. Ah, t'inquiète. Il y a beaucoup de Français qui sont dans cette même situation, mon cher la tyrannie. Professeur, c'est terrible, je suis fait attaquer par un Nemo. Qui es-tu, toi? Mais je te pose des questions, moi. Je suis là pour enquêter sur le vol de Pokémon qui vient de se produire ici. Premier acte de l'enquêteur, le coupable revient toujours sur le lieu du crime. Je l'ai vu dans Scooby-Doo, donc... Si Scooby-Doo le dit, c'est que c'est vrai. C'est donc toi le coupable. Un instant, il n'a rien à voir avec ça. Moi je sais, il y avait un garçon avec des cheveux rouges, tout rouge qui espionnait dehors. Ouais, c'était un putain d'émo. Alors, tu vois pas tu ce garçon, excusez-moi. J'ai oublié de prendre mon accent de policier. Je serai donc lui le coupable, y a-t-il dit son nom? Ouais. Il s'appelle Jean-Raoul. Mais comme il n'y a pas assez de place... Lui c'est Jean-Raoul, bon il est censé s'appeler nous, mais Jean-Raoul c'est plus rigolo. Bon, on va l'appeler JR. On va l'appeler Raoul. Raoul... Non attends, Raoul Jean ça passe? Non, ça passe pas. Putain, limitation de nom. Bon, il s'appelle Raoul. Et comme il est ridicule et que c'est un émo, on va l'appeler Raoul XX. Ah, oh, c'est bien Raoul XX. Ouais, ouais. Merci de ta coopération. Nous devons donc maintenant poursuivre ce suspect aux cheveux rouges. On va l'appréhender.
Mais comme il est mineur, on pourra pas le foutre en prison. Heureusement que les soupçons sur toi sont sans vie dissipée. Allez, à plus tard. Oh putain, la police en ce moment sont vraiment nuls. Bah, un petit peu comme en France, ouais. Bah, quelle tragédie au fait. Quelle est ta grande nouvelle du monsieur Pokémon? J'ai un œuf. Pareil que t'aimes ça. Bah, c'est un œuf, non, c'est, j'en ai jamais vu de semblable, mais ce n'est pas une raison pour en faire tout un plat. Ha! Les œufs de Pokémon de nos jours sont si rares, mais bon, c'est quand même un œuf, peut-être qu'il cache un secret. Bien, je vais le garder ici pour l'examiner. Hein, le professeur Homme t'a donné un Pokédex? Ah, c'est vrai, c'est formidable! Le professeur Chen a l'œil pour discerner les bons desserts pour l'un d'avenir. Eh ben, je pense bien que tu n'étais pas comme les hommes, mais ça dépasse mes prévisions. Ce Pokémon que je t'ai donné a l'air de vraiment s'être déjà attaché à toi. Bien. Si tu pars à la conquête des arènes pour chaque dans chaque ville et tu réussis à battre tous les champions, tu pourrais défier la Ligue Pokémon et tu serais le champion des. Non, je plaisante, t'es trop nul en fait. Je t'ai donné un Tyrann aussi, mais c'était pour la décode quoi. C'est pas si facile d'être maître, hein. L'arène la plus proche est celle de Mauville. Fort comme tu es, tu devrais pouvoir t'en sortir. Tiens, le chemin qui passe par toutes les arènes sera long. Avant de partir, tu devras aller parler à ta mère. Hein. Ouais. Oh, tu pars à l'aventure, très bien, je ferai tout ce que je peux pour t'aimer, pour t'aider. Par exemple, tu sais, chaque fois que tu gagnes un peu d'argent, je vais garder pour toi pour donner. Ta gueule, maman. Ah enfin, putain, t'en as pris du temps. Tiens, tu sais, avec une Pokémon, tu peux attraper des Pokémon sauvages. Si moi. Comme ça, hein? T'as pas bien vu? Bon bah je vais le refaire, approche. Putain mais il est con ce type. Bon D'abord tu attaques, après tu fais charge. Maintenant qu'il a pas, on a fait baisser ses PV, faut lancer la Pokéball. Bon vu que ça prend 3 heures, voilà, allez, voilà, voilà, t'as capté un ratata, on est, tout le monde est content pour toi. Et voilà comme ça, tu les as payés encore, il y a pris. Encore et encore, tu les endors, il sera plus, encore plus facile à attraper. Maintenant à toi, fais tes propres expériences. Tiens, prends ça, bon courage. Allez, bonne chance. T'en as besoin vu ton niveau, hein. Franchement, putain, c'est que... Comment c'est dit? Oh! Carvana! C'est un type ténèbre! Pokémon aux ténèbres même. Eh ben, on va attendre que le sable affaiblit. Parce que je peux pas le tuer. Bah je peux pas le... Je vais le tuer en fait. On va attendre que la tempête sable fasse un peu de dégâts. Carvana, on va voir Sharpedo. Let's go. Bon voilà, la tempête sable lui a fait un peu de dégâts. Et... Allez. Ok, ça va être compliqué. Et voilà. Carvana. Oh, on va avoir une bonne team là en vrai. Carvana, le Pokémon féroce, il s'attaque en banc. Au bateau dont il dévore la coque, les rivières de la jungle forment son habitat. Et oui, il est déjà de type ténèbres. Et ben voilà, on a déjà notre deuxième Pokémon. J'ai oublié de le renommer. Putain, je l'aurais appelé, je sais pas comment je l'aurais appelé. Oh. Il est gentil, moins de défense pour plus de défense spéciale. Ok, bon, pour le moment on n'a pas vu d'autres Pokémon de type... Ah si, vas-y, on en a vu d'autres. J'étais sûr que j'étais que c'était toi. T'es super rapide, mais quand est-ce que tu m'as dépassé? Tiens, pour te récompenser, voilà un cadeau. Le Magneto VS. Mathéos te permet d'enregistrer les combats de Pokémon. Allez, je pars devant et cette fois je resterai en tête. Allons-y, Maryhill. Non, c'est pas une course, meuf. Et voilà, éboulement. Ça va être très très intéressant pendant l'arène. Bon, à la place de gros yeux, hein. Non plus.
Oh, t'as un puissant céréale comme premier, voici ta CT. Toutefois, tu devras traiter tes Pokémon avec un avantage d'écart. Et je parle pas d'une carte de train, connard. Tu es bien trop hop au combat, les Pokémon ne sont pas des armes. Pour quelqu'un d'assez prétentieux, pour ce RAP ancien, tu n'en es pas beaucoup dans le ventre. Bah, ça ne surprend pas, j'allais pas quand même me faire battre par quelqu'un qui raconte qu'il faut être gentil avec ses Pokémon et je ne sais quelle ânerie. Ça ne m'intéresse qu'aux Pokémon capables de gagner, je me fiche des autres. Oh putain, c'est vraiment un Raoul XX! Bienvenue à toi, mon enfant, la tour Chitifleur est un lieu où humains et Pokémon s'entraînent pour un avenir radieux. Voici venue ta dernière bataille, il te faudra me battre, à moi de tester le lien que tu entretiens avec mon équipe de Pokémon. D'accord, l'ancien. Au revoir, Chitifleur! Parce que t'en as pas assez mangé, je trouve. Ah. Tenez, l'ancêtre, un éboulement dans votre four. Oh non, putain, un éboulement! Comme un chétiflant, ça suffit pas, j'en ai envoyé un deuxième! Ah, ah. Je suis sympa, je vous le mords cette fois-ci. Allez, Oud-Oud! Ouh! Elle n'a plus. Allez, hop, éboulement. On n'en parle plus, le hibou dans les gravats. Il est battu l'ancien Géant. Oh, admirable! Ah, mon argent! Bien, ta façon de te battre est extrêmement efficace. Avec un tel potentiel, tu pourras capable de te nommer Albert. D'autre part, tu as mérité cette CT Flash. Je suis sûr que tu sauras l'utiliser comme il me convient. Capacité Flash. Si un Pokémon a pont fragile pour éclairer n'importe quel obscur, tu peux choisir de la prendre à un chez tu pleures par exemple. Il m'a pété la gueule. Albert, venge-moi. Je suis Albert, le champion de l'arène de Mauville. La plupart des gens disent qu'il suffit d'une étincelle pour griller un Pokémon de type vol. Et ils se moquent. Mais je leur fais avaler leurs ces paroles. Tu vas devoir bientôt voir la véritable force de vol élégant des Pokémon. Wendo! Wendo! Il envoie au cool. En avant la Diani. Éboulement. Il suffisait d'une étincelle? Non, il suffisait juste d'un rocher bien vénère. En avant, Roku! Il est l'heure de rendre les coups. Enfin, le vent emporte sur ses ailes. Qu'est-ce que tu racontes? Tiens, prends un rocher dans la gueule, parce que apparemment, t'as pas très bien compris la première fois. Très bien, c'est à moi de me poser au sol. En même temps, putain, il avait un tir à l'œuf. Pero. Zero. Pero. Ninguno, zero. Comment est-ce possible? Enfin, si, je sais pourquoi c'est possible. Frère, t'as un tir nocif. Mon père avait pourtant pris soin de ses Pokémon et ils sont... Mais je connais ma défaite. En tant que champion vaincu de cette arène, c'est mon rôle devant la Ligue Pokémon de te donner le badge Zephyr pour célébrer ta victoire. Avec ce badge, les Pokémon échangés avec d'autres dresseurs tomberont jusqu'au niveau 20. D'autre part, tu pourras utiliser la capacité Éclat de Brock lors d'un combat. Enfin, laisse-moi t'offrir cette CT. C'est une capsule technique qui permet d'apprendre instantanément une capacité à un Pokémon. Elles sont utilisées aussi uniques, alors réfléchis bien avant de les utiliser. Cette CT contient un atterrissage. Ça permet de regagner la moitié des TPV maximum. Il te reste encore beaucoup d'arènes à visiter, je suis sûr que ça te sera très utile. La prochaine devrait être... Ah, ça devrait être Écurcir, n'est-ce pas? Alors chef, on a découvert quelque chose. Et non, on n'a pas trouvé du pétrole, mais presque. On peut pas t'en dire plus, mais je voudrais te confier là. Viens voir mon assistant à la boutique Pokémon de Mori, il te le remettra. Un œuf. Non, la Tiani, faudra pas bouffer l'œuf. C'est vous l'assistant?
Enfin, le professeur O m'a demandé de venir à ta rencontre. En fait, j'aimerais que tu t'occupes de ce top. Non. Et je ne pense pas que tu refuserais comme ça. C'est une blague, hein. Le professeur lui-même dit qu'il te demande ce service, hein. Tu veux bien prendre cette œuvre? Non. Quoi? Mais je pensais vraiment pas que tu dirais ça. Quoi? Coubé. Ah, t'as les cramptés, hein. Hein, t'as les cramptés. Apagna. Ouais, bon, vaut mieux que je m'arrête là et que je prenne son œuf, quoi. Après ton départ, le professeur a reçu un coup de téléphone et je parle pas, hein, qu'il a reçu le cadran dans la figure. Non, non, il a reçu un coup de téléphone. On a eu une discussion, il a duré un certain temps, puis il s'est écrié « Mais dans ce cas, seul Chen peut nous t'aider !» Il te connaît à peine, mais il a beaucoup de confiance en toi. Et donc, il m'a chargé de faire panir cet œuf, et je défie. Les œufs n'éclosent que lorsqu'il y a un certain temps près de Pokémon en bonne santé. Alors voilà pourquoi on a pensé que tu étais la personne idéale pour cette lâche, cette tâche. Et je parle pas de toi quand je dis que t'es une tâche. Allez, j'ai confiance en toi, c'est faux. Je te connais même pas. Énervé avec les impôts, nous sommes énervés. Désolidaris, ouais. En tout cas, j'ai plus rien à voir avec eux. J'ai pas le mot désolidaris. Ouais, j'ai. Nique sa mère. Ouais, voilà. Oh, mais c'est un œuf. C'est un œuf. Oh, je comprends. C'est pas comment on a monsieur professeur Horn depuis du professeur Horn à toi. Je comprends. C'est un œuf de nous pas important, c'est rare. Prends-en un soin et fini. Puis-je te faire confiance pour cela? Non. Parfait alors. Je le jetais au premier nul œuf. Ah, j'ai confié, parfait. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Pokémon Champion Urgold. On se retrouve très bientôt pour. Bah, pour l'épisode 2, hein. Tranquillement. Donc, d'ici là, portez bien, c'était Arcanum. Bye!